Pour la première fois, tous les départements de l'université Omar Bongo suivent un calendrier unique, permettant une harmonisation sans précédent des activités académiques et administratives. Cette synchronisation vise à fluidifier le fonctionnement général de l'UOB, tout en renforçant la cohésion entre les différentes facultés et départements. Auparavant, chaque département disposait d'une certaine autonomie quant à l'organisation de sa rentrée administrative et de son calendrier scolaire, ce qui entraînait parfois des disparités dans la gestion des emplois du temps et des plannings académiques. Nous avons pu revenir à une régularité s'agissant de la programmation des périodes académiques. Donc, ce matin, intervient effectivement la rentrée administrative. Donc, le lundi 9 septembre 2024. Et il y a une particularité dans l'organisation pédagogique de cette année académique, c'est qu'il va y avoir deux rentrées universitaires. Ce changement permet non seulement une meilleure gestion des ressources, mais aussi une organisation plus claire pour les étudiants qui peuvent planifier leur année académique avec plus de sérénité. Et non seulement la régularisation est effective à l'intérieur de l'université Omar Bongo, mais le même calendrier académique s'applique à tout l'enseignement supérieur. L'université Omar Bongo marque un tournant dans son organisation en instaurant une rentrée administrative et un calendrier scolaire harmonisé pour tous ses départements. Cette mesure, visant à rationaliser et moderniser le fonctionnement de l'établissement, augure d'une année académique plus fluide et mieux coordonnée.